Salut tout le monde, c'est Clou HD, Clou quoi. Et donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur mon Eka Flip, level 81, sur cet iPhone, qui est haut, que j'ai mis haut quoi, avec 1804 de vitalité, donc ça c'est juste énorme. 10 PA, 5 PM, 637 initiatives, prospection on s'en fout, 2 PO, 3 invoques, pas mal de Vita, le reste c'est un peu dégueulasse, sauf 348 chances, donc ça c'est pas mal. Pour mon level. Sinon, j'ai parchoté 25 en tout, sauf Intel, dont je vais pas parchoter, et AJ, donc il manque 5 pour aller à 25. Sinon, j'ai tout 25. Chance, force, ça, Evita. J'améliorerai 81 en chance et le reste en vitalité, histoire de pas trop payer pour une vingtaine de chances. Sinon, j'ai 12 coups critiques, donc ça c'est juste énorme pour mon level. Je tombe souvent sur des sec mais avec bluff. Sinon j'ai 14 de fuite, donc ça c'est magnifique pour les gens terre ou quoi qui sont devant moi. Donc je peux soit libé si je me fais tacler, soit bah reculer, faire une fellation. Sinon 6 dommages, 8 dommages haut. Sinon niveau sort, donc niveau sort ça c'est le plus important, je trouve. Enfin, je pense quoi. J'ai mis l'IB5, donc pour l'intervalle de relance, je trouve ça change beaucoup. Donc 4 tours, 2 moins à attendre. Et donc c'est utile pour le colis pour faire souvent que des l'IB. Après, félation 5, donc mon sort de Rox. Sinon, bon du félin, donc qui est très très utile, hein, histoire de pas attendre. Bluff que j'ai mis 5 pour plus de dégâts. Griffe invocatrice, donc ça c'est le chaton obligé quoi pour plus de PA et plus de vita et plus de res aussi. Sinon j'ai mis roulette aussi, roulette niveau 5 pour réduire de 4 l'intervalle de relance. J'ai mis roue de la fortune 5, donc le plus essentiel sera un Eka Flip, 50 puissance et moins d'intervalle. Et odorat, donc je comptais sinon. Mettre tout rien niveau 5, mais bon, je me suis dit Odora c'est plus utile pour l'intervalle de relance. Sinon, niveau stuff, j'ai une Karakoff 190 vitalité 1 PA, une RS Jet pourri, mais bon, quand même pas mal de vita. J'ai l'anneau super bon Jet, une Kapoku, donc bon Jet, j'aurais pu avoir 20 vita de plus, c'est dommage. Une dragoutante de prune et indigo level 100, donc 200 vita, 60 chance et un PO. Après la panneau blop indigo royal, donc très bon jet. Donc l'amulette, je vous laisse regarder. Voir si vous êtes bigleux, mais bon, je pense pas. Voilà, les jets bof, franchement, les jets de vitalité sont bof sauf l'amulette. Sinon, comme trophée, j'ai un saccageur haut mineur, un fuyard mineur, un vagabond mineur. Un ravageur haut mineur, un joueur mineur et un initiateur mineur. Donc pourquoi l'initiateur pour commencer souvent en premier, avoir en deuxième ou troisième en colis. Sinon un joueur bah pour parce que je suis haut. Un ravageur haut mineur, histoire de roxer un petit peu plus. Vagabond et fuyard mineur. Donc ça c'est très très utile pour ne pas me faire tacler et bouger souvent contre des gens. Pas air mais feu ou terre ou aussi hein. Donc c'est très utile. Sinon bah c'est bon, je pense on va aller se faire un petit putsch. Donc le rock c'est pas potable, enfin il est potable mais il est pas super quoi, mais bon c'est toujours ça. Ce EK je joue souvent cheat en PVM et en colis, donc je fais souvent un peu le bâtard si je peux dire. Je vais souvent en diagonale et puis je les repousse les ennemis s'ils sont cac, bah je fais des buff bluff et enfin je rox quoi. Et voilà, donc on va voir le rox tout de suite. Je me place ici, donc voilà, ils s'en sont placés comme ça. Donc premier tour souvent je fais ça, donc je me booste avec perception héros de la fortune, puis je vais en diagonale et je fais une fellation et puis après je me donne 2 PM hein. Mais bon là je vais avancer histoire de vous montrer tous les sorts. Donc en deux push je fais mal, hein. Full boosté, je fais quand même pas mal de dégâts.
Mais sinon, sans dopu 275, je pense, enfin, je trouve que c'est potable. Au bluff, donc, je trouve que c'est pas terrible. Le JR, quand même, ça passe 120. C'est pas mal, on va essayer de trouver un. Voilà. Les JO, les 3O, donc ça fait du 236, 249, 249. C'est pas mal. Donc, moi, je suis encore. Moi, je suis plus boosté. Donc, no boost, je fais pas beaucoup de dégâts. Donc, je fais juste du 188 qu'avec le JO. Et sinon, avec le dopu, bah, ça rajoute un peu. Sinon, la bluff. JO, il me semble que je fais du 180 par là. 157, voilà. On va se booster pour la Tourien. Bon, vas-y, je vais m'avancer un peu. Tourien, no boost, je fais du 233. Après, il y a aussi ces petits sorts, mais bon, je trouve que ça. Qui servent à rien. Donc, à ça, esprit félin. Inutile. Sinon, j'ai l'invoque qui fait pas beaucoup de dégâts, il me semble. Ouais, que 112. Griffe de Saint-Gall. Sauf que je fais du 40 avec 51, voilà. Griffe joueuse. Je fais du 80, il me semble. Non, même pas 37. On va se booster. Je vais vous montrer mon Rox avec. Avec tout rien. C'est parti. On va encore se booster, voilà. Hop, hop. Voilà. Une roulette PM. Donc voilà. Je Rox du 345. C'est juste énorme. Puis après une petite fellation qui fait du moins 316. Voilà. Sinon à la roulette. Bon, on va continuer à la roulette. Hein. Sinon en colis, je fais souvent ça. Donc en colis ou en PVM, n'importe quoi. Donc je vais juste rouxer. Voilà. Donc souvent 2-3ème tour, dès que je suis boosté de ça, je fais souvent une libée si je peux pas bouger. Après, on va dire qu'il est par ici, non, ouais, ici normalement. Donc, après, bah, je fais une fellation. Je me marre max possible. On va faire une petite fellation au vide. Voilà. Et après, bah, souvent, je me donne des PM et je me barre. Voilà. Donc, je vais finir ce petit putsch là. On va se faire Odora. On va aller au corps à corps. On va faire. Réflexe, on l'a jamais fait. Oh, 38. C'est pas top. Donc on va se booster, voilà. Avec ses 13 pions, on va faire ça. 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 Et ça. Voilà. Donc je trouve qu'il est pas mal ce Rox. Donc ce perso, je compte aller un peu plus loin que Leap. Donc si vous avez regardé mon Roublard, enfin ma Roublard plutôt. Elle était level 64. Donc je trouve qu'elle gérait beaucoup pour son. Enfin, elle gérait bien pour son level. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, hein. J'y répondrai. Sinon, bah, likez cette vidéo. Donc, je pense que j'aurai sûrement des petites vidéos colis ou à voir donjon avec ce personnage. Je sais pas, on va voir ça par la suite. Sinon, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à poser des questions sur moi ou sur mon personnage ou sur mon, voilà, sur mon serveur ou quoi. Donc je suis sur Roulette pour plus d'informations. Et puis bah si vous avez des questions un peu plus je sais pas comment dire. Si vous êtes youtubeur et que vous êtes nouveau ou quoi sur YouTube, bah n'hésitez pas à venir sur Roulette si vous l'êtes déjà, tant mieux. Et me le dire en privé. Excusez-moi. On pourrait avoir pas mal. On pourrait faire plutôt pas mal de vidéos ensemble. Excusez-moi, j'ai la. Je suis pas malade, mais ma voix part un peu. Sinon, ouais, donc. Partagez ma vidéo. Un petit pouce vert. Commentez là, ça me ferait énormément plaisir. J'aime beaucoup lire vos commentaires, voir vos avis, tout ça. Donc, à la prochaine. Abonnez-vous. Et ciao tout le monde.